Voilà maintenant plus de 10 ans que des portails reliant notre monde à une dimension alternative sont apparus sur Terre. Du jour au lendemain, nous étions devenus vulnérables aux incursions ennemies. Nous n'imaginions pas que l'horreur venait de frapper à notre porte. Fort heureusement, suite à l'éveil, des combattants appelés chasseurs se révélèrent et partirent affronter la menace. On dirait qu'on va faire à nouveau équipe. Ici, tout le monde l'appelle le chasseur le plus faible de toute l'humanité. J'espère que tu ne continues pas parce que t'es trop têtu pour abandonner. Ça va aller, de toute façon, c'est de ma faute. Je suis trop faible. Mais comme je suis le seul à pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, il me faut cet argent. Je dois y aller. Cette statue immense, je suis sûre d'avoir vu ses yeux bouger. On dirait qu'elle nous observe. Tout le monde à terre! C'est quoi ce bordel? Je comprends rien. Voilà! Comment voulez-vous que je le sache? C'est trop dangereux. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Mais quoi? Je vais mourir! Non, pas maintenant! Je dois rester en vie à tout prix! Non! J'ai tout donné encore et encore, ce qui m'a permis d'aller aussi loin! J'aurais tant aimé avoir une seconde chance. Chasseur Sung, j'ai une question importante à vous poser. Avez-vous, oui ou non, subi un second éveil? Quoi? Un second éveil? C'est bizarre, on dirait que je suis le seul à voir cet écran. Il faut que tu sois plus prudent! Sérieux, je m'inquiète pour toi! Avancez ou reculez, on s'en fiche! Maintenant, il est temps de bouger. Mon équipement est complet et physiquement, je sens que je suis prêt. Je vais devoir affronter le boss sans mon groupe pour me soutenir. J'ai pas le choix. Je dois le faire. Je peux pas. Non mais c'est vrai quoi? Qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai pas oublié qu'on me surnomme le combattant le plus faible de l'humanité. Normal que personne ne croit en moi. De toute façon, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Car tant qu'on est en vie, on doit donner tout ce qu'on a. Et si jamais ça me rend plus fort, je suivrai cette règle jusqu'au bout, même si elle est ridicule.